Bonjour, ici Mia pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de l'émission télé Chicago Fire, The Complete Third Season, un coffret de 6 DVD qui inclut les 23 épisodes de la troisième saison. Cette série, créée par Michael Brandt et Derek Haas, met à vedette Taylor Kinney, Jesse Spencer, Kara Kilmer, Monica Raymond, Eamon Walker, Charlie Barnett, Yuri Sidorov, Jesse Eisenberg, Christian Stolt et John Minoso. Cette production est distribuée par Universal et est disponible en magasin depuis le 1er septembre 2015. La série se déroule à Chicago, où on suit les membres de la caserne de pompiers 51. La série traite autant de l'aspect professionnel que sur la vie sociale des différents personnages, comme la vie au sein de la caserne, les émotions des personnages ainsi que les différents problèmes qu'ils rencontrent sont au sein de l'histoire, le tout agrémenté de nombreuses interventions qui donnent la part d'action à l'histoire. Après la fin tumultueuse de la deuxième saison, plusieurs des membres de l'équipe de pompiers sont encore bouleversés à cause de la perte d'un de leurs coéquipiers. Ce qui ne les empêche pas évidemment de continuer de sauver des vies. Quelques-uns des obstacles qu'ils vont rencontrer sont un hélicoptère en détresse, des incendies criminels en série et l'hiver à Chicago. Ainsi qu'un romance entre deux pompiers et un couple de changement dans les membres de l'équipe. Dawson aura une excellente opportunité professionnelle. Chef Bowden aura des difficultés familiales. Kelly Severide sera comme toujours spontanée et courageuse. Casey essaie d'aider le département de police de Chicago qui ne se termine pas tout à fait comme on s'y attend. Et tout comme la fin de la deuxième saison, la fin de la troisième saison m'a laissé sur le bout de la chaise en voulant savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Le 19e épisode de la saison sert comme un spin-off pour une nouvelle série dans l'univers de Chicago Fire. Chicago Med, qui se concentre sur l'hôpital Chicago Med qui a déjà été mentionné plusieurs fois pendant la série. Les acteurs livrent des performances pleines d'émotions et très réalistes. Taylor Kinney est encore meilleur que dans le journal d'un vampire et trauma. Même les nouveaux membres de l'équipe se sont distingués très vite en tant que des excellents acteurs. Il n'y a qu'une piste sonore qui est disponible en anglais de Dolby Numérique 5.1. Le format de l'image est panoramique anamorphique 1/78:1. Les sous-titres sont disponibles en anglais seulement. Il y a plusieurs suppléments. Ils sont disponibles en anglais avec des sous-titres en anglais, ce qui est très plaisant. Pour commencer, il y a Chicago Crossover et Daydream Believer, deux épisodes crossover avec la 16e saison de Law & Order Special Victims Unit, où nous pouvons rencontrer Olivia Benson et son équipe de policiers de New York. Également, They Will Have to Go Through Me, A Little Devil Complex, et The Number of Rats sont trois épisodes de chevauchement avec la deuxième saison de Chicago PD. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu encore la chance d'écouter Chicago PD à Law & Order, ces épisodes vont certainement vous donner le goût de connaître mieux l'univers de Dick Wolf. Les extraits Behind the Scenes sont disponibles pour tous les épisodes, sauf pour les épisodes de chevauchement avec Chicago PD et Law & Order SVU. Nous pouvons écouter des commentaires des acteurs, des réalisateurs, les équipes qui ont organisé les diverses cascades. C'est très intéressant. Pour moi, c'est également intéressant de voir combien l'atmosphère derrière les caméras est légère et en contraste avec le matériel filmé. En plus, nous pouvons admirer le tournage des scènes d'action. Par exemple, la catastrophe de deux camions de pompiers. C'est très spectaculaire. En conclusion, Chicago Fire The Complete Third Season est bien filmé, exécuté et joué. Le coffret de 6 disques et 23 épisodes est disponible en magasin depuis le 1er septembre 2015 et je vous le recommande. C'était Mia, merci et bon visionnement!